Iris Mittenard et son partenaire Anthony Colette. De la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer de Dieu, à faire dresser tes saints et tous les saints, à faire prier et supplier nos mains, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Iris Mittenard et Anthony Colette, une rumba sur Je vais t'aimer. J'ai l'impression que vous avez impressionné quelqu'un à ma droite. J'ai l'impression que Michel Sardou a beaucoup aimé cette danse. Chris est resté assis, le reste du jury était debout. Michel, est-ce qu'ils ont fait honneur à votre chanson en dansant comme ça? J'ai pas pu me lever parce que j'ai une jambe en... Je sais, bah oui, bien sûr. Vous avez je me suis levé parce que c'était très beau. Très beau tous les deux. Vous, évidemment, mais le garçon aussi. Et vous êtes très courageuse, mademoiselle, très. Il est courageux, bravo. Parce que c'est vrai que la clim est forte, en plus, sur le plateau. Patrick, est-ce qu'on peut avoir votre avis? La semaine dernière, vous avez dansé avec Anthony et Iris. Comment ils s'en sont sortis, son tonton Patrick? Écoutez, je ne vais même pas vous parler de l'accident, parce que tu as largement dépassé ça. Je vais me permettre de te tutoyer, quelque chose que je fais rarement. Même quand tu ne bouges pas, tu danses. Et c'est une preuve, de grande maîtrise. Je trouve que par rapport à la semaine dernière, tu as encore fait des progrès. C'est juste magnifique de voir à quel point tu as évolué dans cette compétition. Et je te dirais, pour faire une analogie, quelque chose que j'ai dit qu'une seule fois à la personne que j'aime, tout le monde est au courant, même quand tu ne parles pas, j'entends la chanson de ton âme. Merci Patrick. Merci. Merci. Des Je vais t'aimer, vous avez dû en recevoir des millions. Non, pas par vous, Camille, pas encore, j'attends. Ah, voilà. J'attends toujours. Il reste encore la finale. Hein, on n'est qu'en demi-finale, Chahine. On sait jamais. Qu'au dire après les propos de Patrick, je vais les confirmer. Surtout, effectivement, chaque semaine, tu nous montres que tu n'es pas arrivé au bout de tes capacités. Tu nous écoutes, tu prends en compte les commentaires, les conseils et tu bosses dessus. Tu es vraiment une battante au sens propre du terme, encore plus avec l'événement qui s'est passé cette semaine. Je crois que ce qui m'a surpris le plus sur cette prestation, c'est la passion avec laquelle tu as dansé. Je crois que c'est la première fois que je te vois habiter de cette façon-là. Alors, bravo. Merci. Bravo. Et tout ça blessé. Il faut le rappeler, Iris Mittenard, c'était votre deuxième rumba de la saison. C'est Michel qui me rappelait ça il y a un instant. La fois précédente, vous aviez obtenu 41 points, ce qui est top. Avez-vous réussi à maintenir le niveau? Pour le découvrir, il n'y a qu'un seul endroit où aller. La Red Room, évidemment. Ça va vous plaire, ça ressemble à une boîte de nuit. Allez-y. À tout à l'heure.
J'en profite pour vous rappeler que le dernier concert de la carrière de Michel Sardou, La Dernière Danse, est disponible depuis hier dans un coffret de CD et un DVD. Je l'ai déjà vu 7 fois, tellement j'ai adoré. Dans ce coffret, on retrouve vos plus grands succès, Michel, enregistrés lors de votre tournée de remerciements, mais pas vos adieux à la scène, Michel, puisque vous serez sur scène au théâtre en 2019. C'est ça. Ça y est, Iris et Anthony bien sont dans la Red Room, et je confirme, hein, Camille, même après une danse, le cheveu reste soyeux, hein, chez Anthony. Alors regardez, Anthony, bien c'est ça la magie. Plus une, mais 3 Miss, rien que pour vous. Elles sont grandes, oui. Vous allez faire des envieux. Malika Ménard est avec nous, Miss France 2010. Camille Serre est également avec nous, Miss France 2015. Elles sont venues pour soutenir Iris. Alors, les filles, on l'a vu, Iris s'est blessée cette semaine et puis elle a souhaité danser. Elle a merveilleusement bien dansé. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus, finalement, chez votre copine ? Saluer son courage et son envie, parce qu'il en fallait, vraiment beaucoup ce soir pour aller danser quand on a mal. Et Iris, c'est la Miss qui va là où aucune de nous n'est allée. Et elle n'arrête pas de me surprendre, elle relève tous les défis. Et c'est une personne sincère, je trouve que ça se transmet quand on la regarde à la télé. Et je suis fière de l'avoir dans ma vie, je suis fière de côtoyer une personne comme ça. Et quant à moi, Iris, je la suis depuis ses débuts. Elle me fait rire, elle me fait pleurer et à chaque fois, elle me fait vivre des tonnes d'émotions. C'est pour ça que je l'aime autant. Et encore ce soir, elle a montré qu'elle était d'une sensibilité incroyable. Et voilà, moi, je suis toujours aussi émue et Anthony est très fort aussi. Hein. Il n'a pas démérité. Merci à vous deux, merci les filles. Justement, en parlant d'Anthony, la semaine dernière, on l'a équipé, on lui a mis un micro pour recueillir au plus près les impressions de chacun. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que votre qualité première, Anthony, eh ben, c'est pas la discrétion. Regardez. Oui, oui. Attention, j'ai le micro. Excusez-moi, monsieur. Attention, j'ai le micro. Attention, j'ai le micro. Attention, j'ai le micro. Ah, j'ai le micro. Attention, j'ai le micro. Alors, attention, j'ai le micro. Rassurez-moi, bah non, à mon avis, là, vous n'avez pas de micro puisque vous êtes totalement dénudé. Allez, vous le savez, Iris et Anthony, eh bien, c'est une place en finale de Danse avec les Stars qui se joue ce soir. C'est l'heure des notes. Ils sont dissipés, nos juges. Hein. Mesdames et messieurs, les juges ont attribué leurs notes. Patrick Dupont. Une chanson magique, un couple magique, une danseuse magique, ça vaut un 9. Shy. Confirme, coup pareil, un 9. Jean-Marc Généreux. Iris, c'est ta deuxième rumba, marge de progression hallucinante. Tes jambes étaient déliées, c'était précis, les hanches étaient à fond. Moi, si j'étais toi, à ton agenda la semaine prochaine, parce que une Miss Univers a un agenda incroyable, je mettrai à l'agenda finale de Danse avec les Stars. 9. Chris Marquez. Ouais. Donc, maman, papa, je suis en otage par Michel Sardou. Oui, on sent une certaine pression. Voilà, donc. Mais c'est la note que vous m'avez dit de mettre. Je n'ai pas besoin de la tirer, la main. J'ai pas le droit de mettre en dessous. Putain. C'est un 9. Ce qui nous fait donc un total de 36 points. Un grand bravo à vous, Iris, et à vous, Anthony. Le clic était très précis, on sent une belle maîtrise du geste. Ça va être un parfait abonné. C'est le clic juste là.